explorer. Ah, il y a un coffre. Il y a un coffre. J'avais dit que j'allais me soigner. Utiliser. Ah bah c'est bien, ça m'a soigné en entier. Oh putain, oh, ça y est, j'allais dire, à chaque fois que je me soigne, je me fais taper dans les secondes qui viennent, quoi, c'est... Et je n'ai reperdu 14, quoi. Putain, mais il pop comme... Ah, il y a un Magirock, là. Il pop, on les voit pas arriver, quoi. Si on court un petit peu, en fait, on fonce dans le mob. Ok, alors, ici, il y a des... Ok, on peut pas y aller, on peut pas y aller. Littéralement, on peut pas y aller. Donc, n'insistons pas. Hop, 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 hop. Et ils ont des points de vie variables ou quoi? Tout à l'heure, je n'ai tapé un, je lui ai mis 19 de dégâts, il est mort. Et en plus, ils ont un déplacement erratique, j'aime pas ça. Tiens, vas-y, crève, Magirock. Alors, bon, on va d'abord s'occuper de l'ennemi, j'allais dire, je vais cocher sur ma feuille, mais... Il y a un ennemi en haut, hein, De pas faire de bêtises. Ok. Donc 2 Magirock sur 4. Il reste une potion, 2 Magirock et un objet, j'ai l'impression. Putain. Ennemi le plus pénible depuis un bon moment, lui. Hein. Ok. Est-ce que j'ai tout exploré? Je l'espère. Je suis pas sûr. Il y avait un objet. Il y avait un objet. On va aller voir quand même si j'ai rien loupé, parce que... Il y avait un coffre, je veux dire. Ah putain, il repop en plus. Tiens, prends ça. Ah! Il y a une grotte qu'on peut... Putain! Font marrer aussi avec leur fourchette. On dirait les poissons dans Secret of Mana. Ah! On peut aller à droite! On peut aller à droite. C'est pas le seul chemin, vous voyez? D'accord, je vais pas m'éloigner trop. Parce que c'est pas là que je veux aller en fait. Oula, qu'est-ce qu'il fout son sprite? Enfin, faudra peut-être passer par le haut, mais Ah, eh oh! Abuse pas, s'il te plaît. Et je vais redescendre par acquis de conscience. Ah non, ici on pouvait rien faire, hein, on est d'accord. Pourtant, il y a bien un coffre là-bas. Ah! Ouf, ça va. Comment on accède à ce coffre là-bas? Je m'éloigne? Tiens, crève. Personne ne vient. Comment on vient ici, sérieusement? Oh purée! Eh ben j'ai bien fait, sérieusement, j'ai bien fait d'insister. Parce qu'on l'aurait pas eu par un autre chemin, c'est un passage secret en fait. Et c'est une herbe étoile de merde. C'est merveilleux. Bon, c'est pas grave. J'ai bien fait de rebrousser chemin. Au moins on a fait ce coffre. On va plus se dire, ah merde, en fait on avait oublié ce coffre. Bon, c'est bon, c'est fait. Alors je sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre le chemin de droite. Ça se trouve ça se rejoint en haut, hein, mais... Je sais pas, je le sens bien. Tiens, on va en profiter pour... Voilà, y a rien, comme ça on le sait. Là y a une grotte ouverte. D'accord, donc c'est carrément... En fait c'est un autre passage par rapport au chemin principal, donc allons-y. Il y a des méchants. Ah, je croyais que c'était bloquant, mais en fait, pas du tout. Un Magirock, Eh bah écoute, on va pas cracher dessus. Ça fait 3. Et il n'y a rien d'autre, en fait. Bah, j'ai une bonne intuition. Tant mieux.
Vérifions que j'ai rien loupé quand même. Non, là, il n'y a rien. C'est bon, je peux rebrousser chemin et repartir sur le chemin dit principal. Il va me faire mal, lui. Et voilà, ça, c'est pas bien, par contre, les ennemis qui se collent aux échelles, on peut rien faire, on peut pas taper. Donc, non, non, non. Ça, c'est pas une bonne idée. On pourra ouvrir ce passage ou pas? Oh, du brin. Hop. Je me les coltine assez sur mon chemin principal pour pas me les taper en bonus. Hein. Alors. Au revoir les petits loups. Bon, ils sont pas dangereux par contre. Hein. Alors, il y a un méchant là. J'ai l'impression qu'il y a que le... Ce coup-là qui leur fait mal, en fait. Oh! Un coffre. Un coffre! Je veux ce coffre. Surtout dans l'espoir que c'est la potion de vie que je veux, en fait. Bon, bah, c'est pas par là. Comment? Pas sûr qu'on peut pas y aller, là. Y a pas de passage secret. Peut-être qu'on pourra passer à un autre moment. J'espère, en tout cas. Oh, il y a une grotte ici. D'accord, on est obligé d'aller là. Donc, je m'y plie volontiers. Oh! Ok. Je me suis cogné. Oh! C'est quoi, c'est... Oh, putain! J'ai pas vu arriver, celle-là. J'ai entendu une musique de bas, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh! Combien de temps s'est écoulé? À ton réveil, tu te retrouves. Ça, c'est une chèvre. Ah, tant mieux, tu es vivant. On a l'air d'être coincé. Tu peux marcher? Sonner, mais ça va. Si on considère que j'aurais pu mourir dans cette avalanche, ça va. Oh, les cœurs! Peux-tu me suivre? Je fais bien la chèvre. Ah. Bonjour, monsieur. Il n'a pas l'air de respirer. Oui, bon, oui. Ok. C'est mon mari. Il ne respire plus. Il a dû faire une mauvaise chute. Qui l'eût cru? Tout à l'heure, nous dévalions la colline ensemble. Mais rien ne sert de pleurer. Nous devrions plutôt chercher à sortir. Ok. Oh, c'est tout noir d'un coup. La nuit tombe. Oui, bah, il est mort, quoi, j'ai compris. Ah ouais, d'accord. Le jeu continue. Je ne vois plus rien. Le noir te fait peur? Non. Je voyage en solitaire, j'en ai pris l'habitude. La solitude. Tous les êtres vivants fuient l'obscurité par peur d'être seuls. C'est peut-être la raison qui nous pousse à s'unir et à procréer. Veux-tu dormir? Viens, je vais te tenir chaud. C'est chaud, cela me rappelle des souvenirs. Oh, musique émotion. Musique dodo, en fait. Mais bon. Alors. Oh. Pardon, je t'ai réveillé? Un tel bruit réveillerait n'importe qui. C'est bien vrai. Tu as sûrement faim, veux-tu petit déjeuner? Pardon? Quoi ça? C'est bon, il fait froid. Ça empêche la viande de pourrir. Là n'est pas la question.
C'est ton mari? Tu peux manger ton mari? Bien sûr, et c'est pour cela que je le mange. Si je meurs, le monde sera privé d'une autre chèvre. Ils sont plus ou moins en train de faire le coup du cochon d'Illusion of Time qui se sacrifie. Qui est amer, si je me souviens bien, et qui se sacrifie. Je peux pas le manger. Je vois. C'est dommage. Si tu dois voyager seul, il faudra que tu deviennes plus fort. Elle était en train de taper dans la paroi, on est d'accord, hein, quand je me suis réveillé. Oui, oui. J'ai découvert que la glace est mince à cet endroit. Oui, mais c'est pour ça que j'ai essayé de foncer dedans. Si je me sers de mes cornes, je pense pouvoir la défoncer et recule. Ah, c'est ouvert. Ok, merci beaucoup. Oh non! On ne peut rien faire. Tu pourras escalader cette falaise pour sortir. Attends, tu rencontres d'autres murs durant ton aventure. Tu rencontreras d'autres murs durant ton aventure. Mais il ne faudra jamais abandonner. Je trouverai bien un autre moyen de sortir. Il faut que tu survives. Ah, on a eu un petit achèvement. Va-t'en et continue ton long voyage. Donc c'est le moment émotion, ouais, un peu à la Illusion of Time, là, vraiment. Hein. Donc on abandonne la chèvre, en fait, on en est obligé. Et en plus, son mari est mort, quoi. Puis elle l'a mangé pour survivre. C'est... Ça me rappelle une histoire avec des footballeurs qui s'étaient écrasés dans la cordillère des Andes. Allez chercher sur Google si vous avez pas... Si vous avez le cœur bien accroché. Parce que c'est dégueulasse. Bon. Ouais, mais tranquille. Donc d'accord, en fait, rien n'est bloqué. Je suis revenu au début, rien n'est bloqué, en fait. Ok. Tu mets cagasse le glaçon. Donc, il y a toujours un coffre que j'ai pas récupéré. Où est-ce que... Est-ce qu'on est revenu là où il y avait le Yeti? Est-ce qu'on est revenu au tout début? Attendez, je suis un peu... Oh putain, d'accord. Putain, ah, ils foutent la merde dans la manette. Putain, ils foutent la merde dans les contrôles. On va pas empêcher de le buter. Ouais, ils foutent la merde dans les contrôles. Allez, faut que ça s'estompe. Ouais, mais non, mais comment ça, je m'embrouille? Ils sont morts, arrête de dire je m'embrouille. Ah, et ça met les flèches dans n'importe... J'appuie sur... Là, voilà. Putain, c'est bon. C'est revenu. C'est revenu. Peu importe la flèche où j'appuyais, c'était pas le bon truc, en fait. On va aller revoir. Mais il va arrêter de faire ça? Il n'y a plus d'ennemis. Pourquoi je m'embrouille en boucle, là? Je les ai butés. Faut que j'utilise un objet? Ça, c'est horrible. Est-ce que je peux utiliser un objet? Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Un remède, un truc comme ça. Herbe étoile. Annule malédiction. Toute malédiction, c'est une malédiction ou pas, ça? Cela ne sert à rien, d'accord. D'accord, le poison non plus. Donc, prout. Je suis coincé avec mon truc, en fait. J'aime bien des fois ça dit s'embrouille, mais en fait ils sont dans le bon sens. Ah non, d'accord. L'avalanche semble avoir rempli le lac. Je me disais bien. Je me disais bien. Que j'avais dû agir. Enfin. Que l'avalanche, elle avait dû changer la topographie. Donc,
qu'on va checker. Ça se trouve, la suite du donjon, elle est par là en plus. Tiens. J'ai plus beaucoup de points de vie, dis donc. On va utiliser toutes mes racines. Vas-y, vas-y. Comme ça, on garde les grosses racines pour en cas de gros problèmes. Allez, encore. Et là, ça va me remettre à 150, donc c'est très bien. Bon. Alors. On a vu qu'on pouvait monter à droite. Donc j'imagine c'est ça. Possiblement par là. Ouf. On va faire une sauvegarde parce que... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. On va faire une sauvegarde parce que ça pue le boss quand même. Donc Non, c'est peut-être pas le boss. Oh! Il y a un coffre. Pour ne rien vous cacher, j'ai un objet important à récupérer, une potion de vie et un Magirock. Ensuite, je pourrais quitter ce donjon. L'esprit tranquille, en fait. Alors, c'est super. On s'est toujours pas servi. Et un autre coffre. Pas mal la caverne un peu plongée dans le noir, là. C'est... Vraiment, graphiquement, c'est pas mal. Oh, les slimes. C'est pas bien dangereux, hein. Ok. Ah, bah il est là, le Magirock, on le voit. Donc j'imagine qu'on va choper une arme. Pour ensuite aller dans la caverne qu'on avait vue au début, là. Je comprends pas comment fonctionne cet ennemi, mais si tu veux. Le quatrième Magirock, c'est bon. Ah bah. On a eu tous les Magirock du chapitre 2. Donc j'imagine que après avoir fini ce donjon, on va clore le chapitre 2. Bim. Ok. Merde. À l'endroit où il y a eu l'avalanche, il y avait un coffre. Est-ce qu'il faudrait pas que je retourne là-bas, en fait? J'ai pas eu le temps de le choper, l'avalanche a m'a fait paniquer. Ça se trouve, fallait prendre le temps d'aller chercher le coffre, hein. Je sais pas du tout, hein, mais... Alors là, on va... Oh merde, j'ai glissé. Là, j'ai pas fait exprès. Là aussi, il y a un trou. Je sais pas où je suis parti, mais je suis parti. Ok. Meurs, glaçon du démon. Des fois, je fais un coup critique, je les tue pas. Oh, j'ai l'impression que je suis revenu au tout début, là. Cette caverne me dit quelque chose. Cette caverne me dit vraiment quelque chose. Ouais, 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 ouais. J'aimerais bien retourner à l'endroit où on a déclenché l'avalanche, en fait. Pour voir si je peux choper le coffre que j'ai vu. Mais que j'ai pas ramassé. Enfin, que j'ai pas pu ramasser. Quoique, je suis pas sûr d'être au même endroit, en fait. Hein. Je suis paumé, là. Ah, quand j'appuie sur Select, c'est parce que je me plante en voulant faire ma... Ça sent le boss, là. Ah non, 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 ça me plaît pas, ça. On va pas aller au boss tout de suite, parce que ça se trouve... rien dit que je pourrais récupérer les deux trucs qui manquent.
Donc, on va rebrousser chemin pour trouver les trucs que j'ai loupés. Ça se trouve, on pourra. Ça se trouve, après le boss, on pourra. Hein. Mais je veux pas prendre ce risque, ça me plaît pas. Surtout que là, on est dans une fin de chapitre. Voilà. Je suis revenu au tout début, là, ou bien? Non. Ce coffre-là, on l'a. Ah, un coffre. 99 écus. Alors, c'est très généreux, mais c'est absolument pas ce que je voulais. Il y a deux trucs assez importants. Enfin, la potion de vie et... un objet. Même trois trucs, parce qu'en fait, il y a un caillou. Il y a un caillou qu'on pouvait casser, j'ai l'impression. Donc, on rebrouche chemin, tant pis. On a vu où est le boss, c'est pas compliqué. Il suffit de monter. Donc j'ai pas pris le bon chemin en fait. On va retourner là où il y avait l'avalanche, tant pis. On peut monter là? Ah oui, on peut revenir là où il y avait les Yétis. Donc on peut effectivement... ouais. Il y a effectivement un caillou à casser. Donc ça se trouve en fait, c'est tout bête, mais ça se trouve... Il faut choper le coffre de là où il y avait l'avalanche. Ce serait une arme. Et ensuite on rebrouche chemin. Et on vient casser le caillou, et derrière le caillou, il y a la potion. Voilà ma prédiction. Et ensuite, on va se faire le boss, et on clôt ce chapitre. Ah, ils sont assez longs, les donjons, mais c'est plutôt cool. On va retourner là où il y avait l'avalanche. En espérant ne pas redéclencher une avalanche. Alors, on va regarder à droite. Ah, un coffre. Ah bah, écoute, elle était là, la potion de vie. On va l'utiliser tout de suite. Utiliser. J'ai jamais de refus d'avoir un petit peu de plus de points de vie. Voilà, crève. Ah mais c'était ce coffre-là, en fait. Du coup, ça m'arrange pas parce qu'il y a toujours un coffre que j'ai pas eu. Donc ici, on peut pas grimper. Alors, je pense qu'on peut pas la louper dans le sens où on pourra toujours revenir la chercher, l'arme. Mais j'aimerais bien la récupérer quand même. Oh, là on peut descendre. Ouh! Bah. C'est quoi cet endroit là, con? On peut pas porter les cailloux? Bah, c'est étrange ça. Moi j'aurais pris les cailloux, je les aurais jetés. Et puis je serai allé à droite, mais apparemment il n'y a rien à droite. Bizarre. Bon, c'est pas grave. On continue d'explorer. Il n'y a rien d'autre, sérieusement? Bon, si je galère trop, je vous ferai une coupure et j'irai chercher sur une solution. Ce qui me manque juste un truc. Ça se trouve, on peut casser le caillou avec ma lance, et puis j'ai fait le kéké, je me suis planté. Y'a rien d'autre? En plus, je reconnais pas l'endroit de l'avalanche, en fait. Quand il y a eu l'avalanche, j'ai dû descendre des lianes et tout. Ou bien ça s'est bloqué tout seul. Bon, écoutez, je fais une petite coupure. Et on se retrouve bah, quand j'ai résolu le problème.